Donc, maître de fraîche date, allons-y. Quelle vie est-ce ? Ça aurait été pas dispo, je me serais dit quand même. Pourrait caler un jumpscare. C'est tout. Bah écoute, il y a une vidéo que je voulais faire sur ce qu'ils ont publié cette nuit à 3h du mat, mais comme je disais, je peux pas me dédoubler quoi, donc... Oh, il faut qu'on se retape l'ouverture des trucs et tout. Ah, attendez, ouvrons les bons. On va insta faire un tel. Est-ce qu'on a vraiment un staff en tête, vu qu'on peut s'en axer? Pas tant que ça. On fait un staff en tête. Il faut pas faire un... Putain, forme. Bon, donc on fait un staff en tête. Rien. Waouh. Amazing. Eh, c'est beau, hein. Oh, regardez-moi mon coffre légendaire. J'ai lu polyester bag. Pas du tout polyester. Faut arrêter, hein. Polyester bag. Alors, bah du coup, hein, la question se pose pas. Je regarde juste si c'est une perque. Il y a rien à chaque fois pour mon arme. Je pense qu'ils les ont pas encore mis. Je regarde quand même, mais. Non, ils ont pas encore mis les perques. Mais enfin, bon. Chercher compliqué, ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais jamais fait comme ça. T'as... C'est la même personne à côté. T'arrêtes de me copiter. Ouais, où pour l'équipement normal. Écoute, c'est très bien. Je sais pas, c'est une nouvelle tenue. Il y en a tellement. C'est peut-être des tenues que pour le playtest. Hein. Je ne sais pas. Pas mal ça. Hein. J'aurais bien ouvert un truc en forme. Ouais. Juste pour ouvrir le bijou. Voilà. Beaucoup trop en fait, donc respect. Attends.
On se peut pas tout de suite, il faut l'arme aussi. Allez. Alors. C'est beau, je screen. Hein. C'est très beau. Waouh. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Il reste ces deux là à faire. Merde, je l'ai rouvert. Faut que j'arrête un moment. Quand même. Tellement d'ouverture. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Ça donne envie. C'est plutôt beau. J'avoue que... Alors... Non, mais qu'une seule arme. On va mettre, du coup, que le gantelet. Ça, c'est la glace. Il est là. Ah, je veux pas avec Oni. Calmons-nous. Ils veulent vraiment que j'ai la génération de menaces. Vas-y, je vais en rouvrir pour voir. Ça fait quoi, je suis tout ça. Les mêmes. Ah, c'est pas tout le temps les mêmes, vous voyez. Ok, celui en fortification là me plaît bien du coup. Allez, on part sur lui. Tac. Citonix, encore et toujours. Putain, d'ailleurs, on se mettrait pas un peu de diamant. Allez. Tant qu'à faire. Ouais, costaud. Oh, la petite hachette, là. Allez. Ça délette, ça délette. On va voir le bouclier. Pas bon. Oh, l'arc était joli, hein. Mais calmons-nous. Enfin. Bon, je balance tout ça. Ok, ça fait de la place. Hop. Nickel. Le bâton. Le bâton. Hop. Voilà, et qui paye. Totalement qui paye. Tac. Bon, ma quête du début, ok, super. Ah, il faut faire les quêtes à Ophétide et tout. Oh là là, il faut faire les... il faut faire les quêtes. Il est vrai, il est vrai. Si on n'aura pas tout de suite les quêtes, la quête qu'on veut. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. Peut-être tu aurais peut-être dû être en deux parties. Ce que je faisais. J'en ai jamais vu ça. Poussière de pierre précieuse, machin là. Nom de Zeus. Hop. Ça pourrait être stuff. On est stuff, hein.
Alors moi j'ai peur que ça fasse une rediff infinie quoi. Donc peut-être du coup je comprends un 2. Je sais pas. Je sais pas. Ce serait plus logique. Une autre gare. Il y a des façons plus agréables de faire connaissance. Vous vous trouvez sur les biens, voyez-vous. Ils sont revenus à la vie. Bon. Mais sans leurs âmes. Donc, alors le truc c'est qu'il faut à nouveau faire les TP, les machins. On a 0 TP dispo, hein. Pourriez-vous vous en occuper ? Donc à la bonne franquette, faut y aller. Donc bah écoutez, ellipse. En vrai, toutes les ellipses, je pense que c'est rare. Ce sera pas si long que ça. En vrai de vrai, ça devrait le faire. J'ai même, je pense... Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, ça permet de voir comment on joue le gantelet. Donc, je trouve pas ellipse toutes les quêtes, quoi. Ah, moi, je mettrai des timers dans la description. Donc, c'est rare, je pense. Elle était là, elle ? Ah, auriez-vous vu ma charrette ? Ma charrette. Les contrées sauvages d'Eternum l'ont fait, j'ai sûr. C'est pas trop bien. En vrai, vu que j'ai fait un cut juste avant de prendre le perso 60, je pense que je peux faire en deux parties. Vas-y, on prend en deux parties. D'accord ? Allez, on part là-dessus. Ce sera quand même plus cohérent pour les gens, pour chercher et tout. Alors écoutez, profitons du trajet pour... déjà pour nous respect. Pour mettre notre... notre arbre. Attends. Il y avait un problème. Tac. On fera l'autre arbre après. Hop là. D'ici, boum, point de réapparition créé. Let's go. De là, on va au-dessus. Il y a même du coup la quête avec Abigail. Cette fois-ci, elle se débloque direct. Je suis en train de me dire. Ouais, tout à fait, il va y avoir une série animée sur la star. Tout à fait, Autodoki. C'est cool, hein? C'est cool. Hop là. Ah, on peut regarder tout de suite le comptoir unifié. Let's go. Ouais, je pense à 20h Binex, si on est encore en live, j'irai sur Elden Ring. Pour la deuxième session. Déverrouille en terminant les quêtes de la colonie. Oh non. Donc on verra ça à la fin. On verra ça à la fin. Donc je vous redis du coup, hein, mais voilà, vous avez de ce fait les nouvelles quêtes, hein. Éliminer les membres, aller au camp de guerre, capturer la forteresse. Là, il n'y a pas capturer la forteresse parce qu'elle est déjà capturée, c'est pour ça. D'accord, c'est ça. C'est ça l'essence machin truc que je cherchais. C'est quand il fait ça. À mon avis, c'est ça. Du coup, ouais, je pense qu'on va se faire, une deuxième session à Binec. Peut-être avec une autre classe. Je verrai. J'ai encore des choses à explorer avec la classe que j'avais. Donc à voir. Peut-être finir l'exploration sur le level 1. Bon, c'est dans 5 heures. On a le temps. Mais ouais. Il y a moyen. Et du coup, attendez la suite. Tac tac. Tac 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 tac. Hop, et j'ai une fois d'autre. J'ai mieux de attendez, parce que là, hop. J'avais mis.
Donc bien sûr, effectivement, c'est rediffusé en deux parties. Hein. N'hésitez pas à aller voir la première partie pour ceux qui avaient lancé en rediff. Obviously. Et non, c'est un point que j'ai pas mis. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais mis que j'ai pas mis? Ah, c'est qu'en fait j'avais pas l'arme maxée. Et oui, il y a 19 points là. Donc je peux en mettre un autre. Amazing! Je peux en mettre celui que j'hésitais. J'ai une clé. Faut que je vois sur les petits trucs annexes. Alors attendez, hop! Mettons-nous là. Du coup, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, on a le sort qui transforme l'épée, l'arme en une épée. De la fortification. Pas mal de choses concernant le critique sur cet arbre. Je redis, hein, mais on a longuement vu du coup dans la première partie de ce live. La lame vampirique, on a ça. Au bout de 6 fois qu'on touche avec une capacité, on a du coup du soin et on inflige des dégâts dans une zone autour de nous, pour nous et les alliés, donc c'est très fort. On a, cette même, on a une zone aussi qu'on peut déclencher nous, ici, qui est donc l'abnégation, qui va du coup faire des dégâts et nous donner du renforcement. C'est beaucoup renforcement-affaiblissement, cette arme. On a ici, justement, un truc qui va nous soigner... si on fait des dégâts à la cible du lien qu'on met. Voilà. Lorsque la cible meurt, 80% de dégâts transformés en vie. Attention, c'est la concentration qui joue et nous on joue en intel, mais c'est ok. Et du coup, faut que je vois. Parce que votre juge de mana est plein, esquiver vous soigne. Franchement, réduire les temps de rechargement, c'est déjà un truc que j'ai, donc je pense qu'on va rester dans cette option. Hop. Donc voilà, notre gantelet est niveau 19. De toute façon, il faut qu'il passe niveau 20 pour faire la quête légendaire. C'est vrai que j'ai pas fait mes points du coup. Vas-y, je vais mettre mes points aussi. Dans le montage. On va se mettre full intel, bien entendu. Hop, et le reste en forme. Ça me semble bien. Bon, on serait au deuxième palier, là, on serait pas mal, mais... Ça me semble ok. Is ok, is ok. Ok, alors. On reprend de là, du coup. Donc, j'ai fait toutes les quêtes qu'on avait déjà faites dans la première partie du live. Avec Abigail Rose, on voit que, même chose, hein, je sais pas où elle est pour la suite de la quête, mais ça se trouve qu'elle n'est pas dispo dans celle-ci, c'est possible. Mais on voit aussi, surtout, je viens de me rendre compte, qu'il y avait les quêtes. Récupérer les matériaux nécessaires à la création du torrent à l'arc légendaire. Récupérer les pièces pour voix bruyante. Et là on a... Poigne d'Umbra, je pense que c'est lui, notre... un néant, un bras, vous voyez, gantelet du néant, poigne. À mon avis, c'est cette quête-là. Du coup, on va se rendre à Ophétide. Et on espère que ce sera ça. Let's go. Let's go, let's go. On fait un test avec un navigateur 60. Allez. C'est parti pour le test. Il faut... Me voilà il. Test très bien en fait. Test très bien.
Ça s'est très bien passé. J'ai l'impression de pas lui faire de dégâts en fait. Je suis en full intel, hein. J'aurais plus de heal si j'étais en concentration. Mais c'est pas mal du tout. Par contre, vraiment, j'arrête d'avoir le réflexe de parer. Ça fonctionne vraiment. Heureusement, ma stamina. Et ma santé, si je fais ça. Normalement, il me semble. Ouais, voilà, hop. Donc c'est pas foufou. Bon écoutez, ça me semble efficace pour l'instant. Plus qu'efficace. Ouvert après le vénère. Bien, 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 bien. Pas mal du tout cette histoire. Il y a déjà un truc qui me suit. Ok. Ça va être le vrai test en vrai, hein, parce que là c'est niveau. C'est tout la même histoire. Et j'ai pas de healer avec moi. Et je me suis pas mise en bulle heal donc. Ah, ça va être sharp là. Ah, il est parti. Non, écoutez. Je le suis. Allez. Je pense que là il faut que j'attaque toute la base quoi. Toujours ici en 1v1. Ah je fais pas assez de dégâts. Je fais clairement pas assez de dégâts. Ah je fais pas assez de dégâts. Du coup il me faudrait quand même un complément. Parce que c'est un peu cher. Mais attendez. Alors, d'ailleurs, elle t'est fait pas loin ici, comme ça on le chope. Et alors, du coup, ouais, comme je disais à l'instant, je comprends peut-être le trajet pour que ce soit moins chiant. Du coup, première mort là. Clairement, si j'avais eu le bâton de vie en même temps, effectivement, le build est intéressant comme ça. Hein, si on veut vraiment la jouer solo, là, l'idée c'est comment je le joue, il faudrait le jouer avec un. Avec du heal à côté. On va pas se mentir. Mais je vais quand même tenter de juste aller récupérer la quête en fait. Quitte à rusher un petit peu violemment. Parce que je sais qu'il y a des endroits où on peut se mettre où on risque rien. Peut-être on va rater. C'est possible. Donc du coup là ça m'a refroidi là, ça y est. Je poursuis par la terre entière, ça y est. On va bien voir. En tout cas, je suis contente, on a vraiment bien pu tester là, ça fait bien. J'ai hâte de l'avoir dans ma propre partie.
Ah, c'est qu'on était re sur la bonne zone, justement. Donc, on était trop loin sur l'autre. Le vénère. Mais pas que c'est le truc où faut choper un texte ou il y a moyen que ce soit ça juste. Bon. Mais saute. Juste pour voir. C'est le truc là. Putain, c'est ce truc là en fait. Quasi sûr, c'est ce truc là. Je pense que c'est ce truc là. Avoir l'usure avec ma zone, ça peut être rigolo, ça peut être long aussi. Je pense que c'est ça. Ah, ok, mais c'est pas ça. J'avais pas d'interaction. Oh, on rigole bien. Ah, c'est là. C'est là, j'ai. C'est bon, j'ai. Faut juste que ça reset. Faut juste que ça reset, c'est là. Ah, ah, non. C'est là, c'est... j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'agent. Ah, let's go. Je me mouche d'abord, quand même. N'empêche que ce dévouement va faire que... vous saurez où faut aller quand ça va sortir. Ce jeu avec des passes, c'est vraiment... même tout seul, c'est vraiment... les deux sont bien. Le jeu est trop bon. Voilà, c'est ce que t'as rajouté aussi. On est d'accord. Ouais, j'adore ce jeu. T'as dit j'ai manqué quelque chose, tu parlais en général sur le live ou par rapport au fait que l'arme que j'utilise tu l'as jamais vue? Parce que si c'est ça, c'est normal que tu l'aies jamais vue. C'est au-dessus du coup. En vrai ça se trouve... Non mais tu veux la faire du coup la quête Tender? Parce que pour le coup c'est vrai que je peux t'attendre. Ça va dans les deux sens hein. Franchement, ça me dérange pas. On peut discuter avec le chat. Et... non, pas vraiment. Ok. C'était vraiment que pour m'aider. Ça va beaucoup trop bien. Donc, faut que j'arrive à semer les autres. Je pense que là, c'est pas mal. Faut juste qu'il lâche l'aggro. Ok, l'aggro est lâché. L'aggro est pas lâché. La groupe a trop lâché. Oh merde, je pensais. Oh non.
Qu'est-ce qu'il fait mon gars? Que j'ai trouvé, mais faut quand même arriver à. Après, franchement, je pense que je peux me les faire avec ma zone et tout. Mais à l'usure, quoi. Mais je pense pouvoir faire quelque chose avec elle. Mais si c'est très long. Voilà. Bah, par contre, là, c'est pas assez fou. Oh, c'est rigolo. Pourquoi pas? Oh, il fait mal. C'est très mal. Ouais, not bad, not bad. On va se gros faire. Oh, le vrai test, non? Le vrai test. Je le réveille lui? Non, ça. Non, il n'y a pas de soucis à ça. Il n'y a absolument pas de soucis à ça. C'est très gentil. C'est jouable, hein? Je vais peut-être y arriver en solo. Enfin, je suis parti pour en tout cas. Parce que là, il a pas non plus 4 merdeux, hein. Oh, je vais peut-être y arriver. Mais oui, mais j'ai réussi en solo. Mais bon. Trop bien. Avec le truc comme quoi, en fait, ça leur enlève de la vie petit à petit. Eh, franchement, je suis fière, hein, parce que c'était vraiment pas facile. C'était absolument pas facile à faire. Par contre, je vois pas où sont les autres trucs. On va localiser les sources d'eau azotée. Juste, faut aller chercher de l'azote. Okay. C'était limite pas mal de fois. Ah, c'est le plaisir. Là, là. J'étais un peu déçue quand j'ai perdu face au mec qui avait un shield. Donc, je dois avouer que... j'ai raté. Ah, ça fait très 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 plaisir. Vraiment. Du coup, c'est bon, Tendria. Après avoir dit... Garde ton perso sous le coude quand même, hein. Si jamais... Ça sera ma prochaine étape, c'est d'aller tuer l'ours, tu sais, donc... Du coup, mon jeu est parti. Donc je pense là, faut juste aller choper 3 sources azotées... normales, quoi.
comme on a fait tout à l'heure. Sauf que j'ai commencé par ça. Oh, j'ai réussi. Le jeu a de grosses capacités. Le gantelet a quand même de grosses capacités solo si t'es. Si t'es patient quoi. En fait, il a pulpe de ma chance. Je suis galvanisée là. Je me dis c'est bon. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien! Un gros stop. Faut que je t'ajoute une rien dans le jeu quand même. Non, ce jeu me demande des trucs vénères après, à mon avis. C'est quand même une arme. Hein. Ok, c'est ça. Faut en choper 3 comme ça. J'ai mis du temps à trouver ce que c'était le truc en tout cas. Quel enfer. Faut une dernière. Il me semble que je l'ai pas prise celle là-bas. Heureusement. Ok. Cherche les fragments de revivre, c'est génial. Ok. À l'autre bout de la terre. Là où? Oh my god, faut que j'aille avaler des larmes. C'est vrai que j'ai pas le TP. un ellipse. Mais si tu avales des larmes, t'aimes bien. Après nos histoires de Schweppes au Chili, nous sommes arrivés à Val des Larmes. Oui. On va donc se taper ces 1, 2, 3, 4 trucs là. J'ai envie de dire c'est parti, on va les faire en allant. Hein. Tac, 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 et on va revenir. Ça me semble bien. Let's go. Entre les pauses et le trajet, on a quand même mis 20 minutes à arriver ici. Hein. Tout va bien. Ah non, 30, 30. Je me donne pour vous, hein. On est parti. Est-ce que c'est par en bas? Ouais, c'est par en bas. Oh, oh, calmons-nous. Relou les cochons. Je me demande où ils vont m'envoyer après. C'est étonnant d'ailleurs qu'on part d'une zone qui est 60, ils nous envoient dans une zone qui est un peu en dessous. Si j'ai pas de bêtises, Val des Larmes. 45-50. C'est étonnant. Oups. Faudra qu'on repart notre arme un moment. Un petit miam quand même, avec tout ça. Mais ouais, du coup, j'ai vu ça que dans ce monoprix là, les gens. Le Schweppes Ginger Beer Chili. Et je vous recommande. Trop trop. Trop, trop bon.
Ici pour faire 7000 poules épaisses, mais pas sur le PTR. Non, mais on communique par la pensée, c'est ok. Donc on cherche des fragments de rivière. Dit comme ça. Ok. On cherche le Styx, les gens. Je vois pas ce qui peut mal se passer. J'arriverai pas. Ah, c'est bon. J'ai un affreux doute sur attraper les ombres. Attendez, je vais vérifier. Ouais, si, c'est bien ça. Oh, j'ai eu un doute d'un coup que j'étais pas en train de faire le bon truc, ça se trouve. Mais non, ça. De toute façon, là, ça devrait aller bien. Y'a pas de soucis. Bon, une fois qu'on aura vu le premier à quoi ça ressemble. Bon, peut-être en hauteur, hein. Refaire si rien là. Je pense plus par là-bas, du coup. Il faut monter. I think il faut monter. Je pense pas que ce soit dans le coffre. À voir. Non, voilà. Mais là-bas, c'est quoi? C'est juste un cadavre? Ah, c'est juste un cadavre. Bah, je pense que c'est le même délire. Il va falloir qu'on trouve un espèce de truc bleuté. Qui va pas être facile à trouver. Après, il y a une statue. Est-ce que ce serait pas sur les statues? On peut pas monter sur les statues. Il y a là-bas. Putain, l'autre il est déjà réapparu, c'est ouf. On va essayer de trouver, hein. Écoutez. Un fragment de rivière, quoi. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, ça brille. Oh! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. On va en attraper plusieurs parce que sinon ça va être usant. Ok, c'est bon, je le vois. Donc c'est le même délire en fait. Sauf que j'ai pas le même level. On est récompensé. Donc c'est exactement la même formation. C'est une nouvelle arme sur New World.
Et on essaie d'obtenir sa version améliorée d'ailleurs. Ok, donc c'est un truc comme ça à côté d'un boss. Ok, ok. Ce qui tout de suite donne de l'intérêt à tous les endroits qu'on peut connaître qui sont comme ça dans cette zone. Ok, ok. En au-dessus, on devrait pouvoir descendre directement. Une Fury Weekend. Oh mince, Devius. Le PC fatigue. C'est embêtant. C'est le gantelet du néant, du coup. Qui va être à la fois DPS et support. Support dans le sens... il peut soigner, il peut faire des affaiblissements. Il peut te renforcer. Je pense qu'il est... Tu dis, est-ce que c'est un point de vivre amélioré? C'est différent. C'est différent. C'est pas la même approche. Là, moi, je le joue très DPS, du coup. Mais en fait, tu peux le jouer en... Tu peux le jouer avec un bâton de vie, par exemple. Parce qu'en fait, il se scale sur l'intelligence et la concentration. Donc c'est la nouvelle... deuxième arme qui fonctionne avec la concentration. Alors l'intelligence, c'est sa première stat. Hein. Mais du coup, voilà. Moi, je le joue avec... alors, mon premier sort transforme mon attaque en une attaque de corps à corps, tu vois, comme ça. Mon deuxième sort, c'est une zone qui va me renforcer et qui fait des dégâts aux ennemis. Et mon troisième sort, c'est un truc, si je l'envoie sur quelqu'un, toutes les personnes qui attaquent ce quelqu'un sont soignées. Alors pas soignées à l'infini, hein. Se soignent petit à petit. On reste raisonnable. Je vais prendre le TP, je pense quand même. Et t'as d'autres trucs en fait, enfin à chaque fois t'as des soins, des affaiblissements, des renforcements, t'as aussi réduction de cooldown de tes compétences. Et en tout cas j'aime bien, ça fait 4 heures qu'on joue ça et j'adore. Franchement, comme j'avais dit, du coup moi j'avais prévu de faire un build bâton de feu rapière prochainement, pour changer d'arme parce que j'ai déjà masterisé la hachette H-double. J'ai l'arc qui est à moitié. et en fait, je pense que je vais attendre que ça sorte. Parce que c'est censé sortir sur la mise à jour de novembre. Si je dis pas de bêtises. Et je vais faire un gantelet du néant rapière, en fait. Plutôt que bâton de feu rapière. Il est vraiment cool. Par contre, je risque de jamais utiliser la rapière, me connaissant. Il est vraiment très très cool. Et tout à l'heure, j'ai pu gérer un groupe d'ennemis qui était un peu trop fort pour moi. Juste en courant et leur mettant la zone qui leur fait des dégâts petit à petit. Ça a été long, tu vois, mais... J'ai pu le faire. T'as vraiment les deux approches, quoi. C'est pas mal du tout. Normalement, ton attaque est une attaque à distance, vraiment bien entendu. Donc c'est un gantelet. Quand je tape, je me fais soigner là. Grâce au lien. Il est vraiment cool. Ça fait plaisir que le premier ajout d'arme soit une arme qui me plaise. Je
Je dois dire. Oh là là, quelle technique! Mais ça suffira pas. Pas ouf en vrai! Elle est vraiment cool. Je ne m'en lasse pas. Ce qui est plutôt bon signe. En fait, je cherche l'endroit. Merde, c'était en dessous en fait. Yo, merde, ça doit être ça. C'était en dessous. Non, c'est pas là. Là, c'est juste ça. Attends, je cherche l'endroit où il y a un boss en fait. Je sais qu'il y a un endroit où il y a un boss. Mais je l'ai perdu. Par là ? Huit. Là, on s'en va. Non, mais c'est là qu'il faut aller. Pas allé assez loin. Je suis clairement pas allé assez loin. J'ai voulu m'enfoncer dans la montagne alors qu'en fait c'est en latéral qu'il faut y aller. C'est là-bas. C'est là. C'est bon. C'est pas là en fait. Je crois qu'en fait c'est pas là. C'est pas grave. On les a invités. Je sais pas si c'était là. Puis j'ai dit, je m'en souviens. Bah, tu te souviens mal, meuf. En même temps, là, il m'indique là. Je vais quand même suivre par ici. Ça me paraît plus logique. Petite zone élite à pique là. Avance. Oh my god, il avançait pas quoi.
Ah, il y a des mecs qui tirent à distance. Ça va mettre dedans. Bon. Allez. C'est pas le meilleur endroit pour passer là. Je suis poursuivi par à peu près la terre entière. Oh, fait chier. Ça va pas le faire. Ah, il faut que je les fasse un par un. Mais je pense que c'est par ici du coup qu'est mon truc. En toute logique. Ah, j'ai pas pris le. Mais si je vais prendre le TP. Attends, on va voir. Tu vois, on va faire les autres d'abord. Parce que ça, c'est la zone élite. Je pense que c'est pas mal de faire les autres d'abord du coup. Il me semble avoir pris le TP. Ah, si, j'ai pris le TP, c'est bon. Du coup, si on fait ça, ça d'abord, ça sera plus intelligent. Parce qu'on aura juste à finir par lui. Après là il m'indique là hein. Mais quasi sûr c'est là. Ça me semble logique. Allons d'abord faire ça. On fait les autres d'abord, ok? C'est vrai qu'ils vont réduire la production de lait et de miel. Je pense à ça parce que je vois la vache. Ah, c'était un peu ballsy. Hein. Et en même temps, les faire un par un là, c'était tendu les autres aussi. Je pouvais tenter de perdre l'agro comme j'ai déjà fait en fait. Ça me semble être une bonne idée. Et à terme, je pense que c'est une bonne idée. Get good, hein, comme on dit. Voilà. Get good, get good. En tout cas, j'aime bien qu'elle soit jouable DPS. DPS. Qu'elle soit jouable DPS, cette arme. Parce qu'en sortant un peu les doigts, elle devient intéressante dans ce truc-là pour moi par rapport à mes goûts. Comme je dis, ce serait bien plus stable de la jouer avec un bâton. Mais. Bâton de vie, hein, je sais pas. Mais en tout cas, elle tient le coup en étant. Là, j'ai fait exprès d'équiper qu'une seule arme, je vous rappelle quand même. En vrai, je pourrais tout à fait utiliser une hachette ou quoi. Voir un bâton de vie. Je serais bien plus efficace. Avec ma hachette habituelle. Mais... Quoique là, je serais pas en build à force, donc pas fou. Mais on voit que c'est jouable d'avoir que elle, quoi. Ça reste tendu sur les zones. Petite zone élite, là. Mais en même temps, c'est normal. Sachant que le perso est un perso level 60, mais pas du tout en gear score, on est à 395. Donc on est vraiment pas où en termes d'équipement. C'est vraiment un perso qui vient de passer 60 normalement dans l'idée. C'est le principe. Je trouve que ça tabasse vraiment, hein, justement pour du niveau comme ça, là, comme je viens de dire. Après, avec ma hachette, j'ai l'habitude de jouer avec plus de forme. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis à 100 formes normalement avec ma hachette. Et là, je suis quasi à 100 formes et 320 parce qu'en fait, tout le stuff est au petit. Je suis pas du tout à 300 de force quand je veux que la hachette. Zéro petit quoi. Bravo Mori. Voilà, tout est fait pour en fait. Quand ils donnent un stuff, on choisit vraiment full intel ou full force ou full forme.
C'est clair que mon perso est loin d'être tout petit sur ma partie principale. Mais il fait le taf. Pas de problème. Alors, c'est là à 5. Ok, 2 secondes. Salut Resco. Salut, salut. T'étais là pendant Elden Ring, toi, hier, non? Si c'est le cas, sache qu'on va y rejouer ce soir. Dans 2h30. Que je serai absolument pas en forme. Mais tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Voilà. C'est jouissif, hein. C'est jouissif. Quel plaisir. Beaucoup moins dans la zone élite. Mais j'ai ce que je veux dire. Voilà, je prends Charles. Il y a des fois, faut se calmer. C'est à cause de l'archer, c'est mort. Non, j'ai chu. Très bien. Et ben non, je ne sais pas, Resco. Espérons que ce sera réglé avec la mise à jour de novembre. Parce que ça devrait être. On est d'accord. On est complètement d'accord. Là-dessus. Je pense en vrai, vu le nombre d'esquives que je fais, je devrais utiliser le truc qui me heal sur esquive. Vraiment. Oh, c'est chiant! Mais à l'aide. Je change. J'ai peur de pas aller assez vite là. Sous le sol, ce qui est. À l'aide. Là. Non. De ouf. En tout cas, ça me fait plaisir là. Parce que ça faisait. Comme je dis, ça faisait 2 semaines que j'avais pas pu streamer de New World. Genre, truc de ouf. Ça me manquait, hein. Ça me manquait de ouf. Ah, même de jouer au jeu, du coup. C'était horrible. Mais j'avais absolument pas le temps. Absolument pas. Déjà, j'étais absente 4 jours, comme j'ai déjà dit. Hein. Pour marier mon petit frère. Et puis après, il y avait Lost Ark. Et je suis contente que vous soyez toujours au rendez-vous. Contrairement, voilà, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, c'est fini, niveau, machin. » Ça me fait plaisir qu'on puisse toujours passer ce bon petit moment ensemble, là. Tout le monde sur la compagnie. Ah. Et on va pouvoir refaire un peu plus là. Quoique, comme j'ai dit, il y a le déménagement. Donc bon, après ça, c'est différent. Mais t'inquiète, moi je lâche pas le jeu. Je l'aime beaucoup. Je... pas dans l'immédiat, quoi. Mais ouais, faut qu'on se refasse des donjons et tout. Qu'on puisse peut-être faire quelques Lazarus, Jardin de la Jeunesse pour des gens de la compagnie. J'ai mon beau-frère là qui vient de se mettre au jeu. Mais c'est cool.
Ça me fait plaisir. Et oui, on va faire ça tranquillement après, voilà. Le rythme est tel que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais... En tout cas, par exemple, aujourd'hui et demain, on joue à New World. Il y a les petits passages d'Elden Ring. C'est toujours le problème du planning, quoi. Sinon, je jouerais tout le temps, mais... Et j'aurais toutes mes perks level 200. C'est comme j'ai vu, vous connaissez GLaAD peut-être, vous le connaissez peut-être de Destiny. Si vous connaissez pas Destiny, vous pouvez le connaître de New World. C'est un streamer du coup qui fait... qui était assez tryharder sur Destiny, hein, qui fait des solos, des duos, souvent des duos, sur des raids et tout. Et sur New World, bah, il s'est passionné pour New World. Comme quoi, j'avais coup de cœur pour Destiny, j'avais coup de cœur pour New World, il a la même chose, il avait la même chose avec Valheim. C'est peut-être pas pour rien finalement, ces jeux ils font appel un peu au même sentiment peut-être. Parce que lui aussi était fan de Destiny de Valheim. Et du coup ce qui se passe c'est qu'il fait des lives, mais c'est abusé, il fait des lives de... Alors je vais pas dire de bêtises mais il avait dit des 30 heures, des trucs comme ça. Juste pour monter tous ces trucs level 200. et du coup je me dis, bon, en vrai on n'est pas si mal. Nous, on n'a pas pu faire des lives de 30 heures. On n'est pas si mal. Je me dis que j'aurais pas forcément pu faire beaucoup plus. Je viens de me rendre compte que ça a changé mes perks. Je me disais aussi. Je comprenais pas. Je comprends beaucoup. Mais tu sais, Nocturne, que du coup j'ai mis en vente des trucs il y a 2 jours. Juste avant de lancer ma session de Lost Ark. Des joyaux et tout. Des planches. Je crois que j'ai vendu toutes mes planches. J'ai fait plus 4000 pièces d'or. Alors, pour vous, ça peut paraître peu. Mais pour moi qui ai finalement toujours fait que de l'achat-revente vite fait et tout, et ça se passait bien. Je suis en mode grave bien. Grave cool. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel pour avoir ces 4 noms. C'était genre plutôt carré. Du coup, bien contente. Et du coup, j'ai 14 mines. Du coup, je peux acheter potentiellement prochainement la maison que je voulais à haute chute. Mais clairement, ouais, je suis bien contente d'être passée faire la vente, là. Il y a eu un moment où la vente était, avait un problème hein, sur le comptoir. C'est un jour d'ailleurs où j'aurais pu streamer New World le moment où il y a eu ce problème. Et du coup je me suis dit on va attendre que ce soit réparé parce que c'est vrai que c'est important pour moi le comptoir. Comme tout le monde hein, d'ailleurs. J'ai pensé beaucoup énormément. Alors moi aussi en vrai. Tu sais que j'avais acheté... tu sais que par exemple la hachette brisée je l'avais achetée. En mode au cas où. J'ai acheté des trucs, j'avais acheté la fameuse recette que je t'ai dit quand je l'ai décraft, c'était du violet. Alors que c'était censé être légendaire. De toute façon, j'ai dépensé beaucoup, clairement. Les recettes de miniatures, j'ai vu que ça se vendait de ouf. C'était énorme. J'ai vu ça. Parce que j'ai regardé un petit peu les ordres d'achat. Toujours pas de cristal de cœur de vie ou de cœur de feu d'ailleurs. Mais ils en ont parlé, moi je suspecte qu'ils existent pas. Après, il y a quelqu'un sur un forum qui avait dit qu'il les avait lootés, alors je sais pas. Ah, c'est parce qu'il t'a mis des slash, ça a considéré que c'était un lien. T'inquiète. Hein. Hop là. La truanderie n'a pas de limite. Ok, il faut qu'on retourne à un nouveau feu d'enfer. Quel bonheur. Non. Let's go. Salut copain. Il y a quoi de bien sur le péter? Ça. Déjà. Ensuite, t'as quelques nouvelles quêtes avec les nouvelles factions, nouveau type d'ennemis qui s'appelle les Varegs. Et là, je suis en train d'essayer de faire du coup la version améliorée d'obtenir ce gantelet du néant. Ils appellent ça légendaire, mais je pense que c'est dû à ce qu'on appellerait épique, un truc comme ça.
Genre c'est violet quoi. Tu vas faire ta montée mes level métier. Bah ouais, de ouf, forcément. Du coup là, mais surtout la nouvelle arme en fait, Copper. Après, par exemple, tu as maintenant, et ce sera le cas du coup quand ça va être mis en ligne, les comptoirs sont unifiés. T'as plus ce truc du comptoir qui est différent au-dessus par rapport à Grès du Vent, par rapport à Val des Larmes, par rapport. Tu vois? Il y a pas mal de petits changements comme ça en vrai. Et la nouvelle arme est vraiment cool. Et ensuite, les changements, comme je te dis là, par exemple les nouvelles quêtes avec les nouveaux ennemis et tout, c'est pour apporter de la variété. J'ai croisé des mini-alligators, j'ai croisé des scarabées. Donc c'est vraiment pour apporter de la variété pour les gens qui... Alors, nous, j'imagine que t'es level 60, si tu me parles de Watermark. Du coup, ça nous concerne pas, mais tu vois, ça améliore quand même le jeu au global. Et rien sur les Watermark. Bah, il y avait des soucis, tu sais qu'on pouvait pas looter level 600 de Gearscore. Ça, c'est normalement réglé, ou ce sera réglé au moment de la release de ça, j'ai un doute. Mais ça va être réglé. Hein. Normalement, tu peux. Si c'est pas déjà réglé, tu peux looter en tout cas. Ça va le faire. Ça va être fait. Tu pourras looter au-dessus de. Actuellement, c'était 580, un truc comme ça. Tu pourras looter à 600. Donc, ça. Pareil pour un craft qui bloquait. Au niveau du craft, il y avait aussi des matériaux qui manquaient pour le craft et tout. Tout ça va être réglé. Effectivement, une nouvelle zone qui va arriver, Noctrane, mais ça. Ça, c'est du leak. Je pense qu'on va me faire une vidéo dessus d'ailleurs si j'ai un peu de temps. Juste en prévenant les gens. Parce que justement, les gens ils sont en attente de nouveautés et je trouve ça cool si on. Tu leur dis t'inquiète, bah, quelque chose qui va arriver quoi, c'est cool. J'aime pas trop normalement couvrir les leaks et tout, mais là en vrai je trouve ça positif pour les gens qui se diraient bon et ensuite. Alors sur le craft des clés, normalement, Copper, ils ont dit qu'ils allaient rendre ça moins difficile. Après, là, tu vois, c'est pas dispo sur le PTR, ce genre de choses. Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas annoncé. Mais simplement, c'est expliqué par contre sur leur blog. Je vais quand même aller voir là, au cas où ce soit là. Imaginez. Mais je pense que ce sera derrière le boss. Oh mais non, c'est là. C'est bien là. Oh mais c'est bon en fait. Ouais, c'est un peu ça, Noctrane, tu vois. Mais même pour rassurer les gens, je trouve ça pas mal. Tout en, attention, en précisant bien que c'est du data mining et que ça peut ne pas avoir lieu, tu vois. Là, on parle juste de la nouvelle zone. Hein. Pour tout le reste, c'est annoncé. Et justement, le post qu'ils ont fait cette nuit à 3h du mat est vraiment très... très engageant. Oh punaise, faut que j'aille jusque là-haut. On va devoir se taper tout le trajet. À l'aide! Ok. Bon alors, on retourne au chute. Et petite ellipse, j'ai envie de dire. Pour la rediff. Il n'y a pas des petits cailloux ici. Pas de cailloux. Jamais de cailloux. Un caillou? J'ai cru voir un caillou. Encore la musique comme si j'allais mourir. La ressource qui pop rarement, c'est celle légendaire. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas... Ok, bon. Les gens... L'heure est grave. Pour moi, faut d'abord aller à l'avant-poste, ok? Donc on va faire ça. Pas gagné. Mais on va le faire. L'avant-poste qui est à 144 mètres, là. Ici. Est-ce que je peux passer sur le côté? Je peux passer sur le côté. Quasi sûr. L'intérieur, c'est bien, il y a plein de doutes, hein, mais... C'est pas notre vraie partie. Reste ton frais, reste ton flex. On est à 500 mètres de l'avant-poste. Là j'ai un doute. Est-ce que je passe comme ça?
Ah, il s'accroche pas à ça? Il s'accroche pas à ça. Bon, bah, la question se pose pas, faut passer à l'intérieur. Ah bien! Et bah d'accord! Enfin, attendez. J'ai un doute, là. Ok, pas mal, pas mal. Not bad at all, on évite tout le fort. Bien! Il m'aime bien. Non, c'est pas moi. J'étais pas là. Tac, et là, faut qu'on arrive à aller à l'avant-poste qui est par là. What? Je suis obligée de me taper la route, là. Ok, go la route. Go la route. Je rappelle qu'on n'a pas de bivouac. Hein. Là, si on meurt, on repart de bois clair. Et ça, c'est toujours un plaisir. D'avoir ce genre d'informations. Mais ça va bien se passer. Je suis assez confiante. Voilà, dans le nord, avec notre bâton du néant. D'ailleurs, je trouve une petite musique de Noël. J'ai toujours trouvé qu'on aurait dit une musique de Noël. Ça me fait marrer quand même les gens qui ont pris des zones en mode... Putain, ils ont pris les 10K qu'on avait en thune. Let's go! Let's go capturer, les gars! C'est notre moment! Mais ouais, c'est... C'est pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut permettre à des gens d'expérimenter la propriété de ville. Why not? C'est bien par là, hein. Ensuite, on va remonter le petit lacet et on est bon. Yébé. Pas si mal, cette histoire. On n'a pas eu de raté. On s'est quand même parcouru toute la map du jeu depuis tout à l'heure. On a un travers, hein, depuis le vent jusque là. Il y a beaucoup d'efforts pour vous. Hein. Je l'ai dit, je vais arriver sur Elden Ring, je vais être morte. Bonjour, hein, Kwe. La question c'est, est-ce que je vais lâcher mon prophète sur Elden Ring? On verra, on verra. Il y a vraiment un endroit où j'ai envie de retourner, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Vraiment, vraiment. Après le boss du château là, j'ai très très envie d'y retourner. Ça me ferait marrer, je me fais tuer par un cerf, imaginez. Non mais la tristesse du truc. C'est possible, hein, tu te fais chain, bloqué. Allez! Cette zone est trop stylée en vrai, quand tu y penses, hein. Regardez ça. On y est. Donc là, on arrive au campement. C'est déjà une bonne nouvelle. S'aventurer dans les profondeurs de cavernes Spiralo pour chercher les filaments d'armure du gardien. Ah, je vois c'est quoi comme caverne. Oui. C'est là où il y a les squelettes. Ok, ok. Elle te déprime cette zone? C'est vrai? Oh. Attendez, là je peux faire un truc. J'arrive à dézoomer comme il faut. Miniature, n'est-ce pas? Quand tu nous tiens. Hop! Tadam! Nous y sommes! Merveilleux. J'ai presque envie de mettre mon auberge ici. Au cas où. Je pense que c'est une bonne idée. Se trouve peut-être en première ligne, mais cela hop là! Et donc on doit aller dans la caverne derrière. Allons-y! Allons-y, allons-y. Maintenant qu'on sait qu'on est bien arrivé dans le nord, tout va bien. T'as une seconde. Let's go.
hein, Léo. Allez, c'est parti. Non, on peut aller là, hein, direct. Faut juste buter des ça. Ça va. Trouver, acheter ou fabriquer gants en cuir épais. Ah, mais par contre. En fait, ils prennent pas de dégâts. Reviens, par contre, c'est chiant. Il y a quelqu'un qui me heal là. D'accord, il y a quelqu'un qui me heal. Qu'est-ce qu'il me heal? Attends, ça m'a stressé. Je vous jure, ça m'a stressé. Il y avait comme quelqu'un qui me heal. En plus, il meurt dans ma zone, regardez. Ah non. Il y avait quelqu'un qui me heal. Non? Ça m'a stressé. Il faut qu'on trouve ce healer furtif. Oui, tu... Vous savez que pendant la... Genre pendant la bêta, il y avait un mec qui me suivait comme ça. Et qui restait très discret. Il m'a fait beaucoup trop rire. Bah voilà, hop. Ça a rien donné, je suis dégoûtée. Il n'y a pas un mec qui me... Pas l'impression qu'il y a un mec qui me... Ah, c'est pas la même hein, quand c'est pas un rageux. Hein. C'est vachement mieux. Et ben on n'est pas rendu, hein. Moi je vous le dis. Je sais pas si je faisais le boulot comme ça. Je peux même faire des gants de cuir. Je suis un peu deg de ça. Gants en cuir épais. Oh, je vais peut-être pas pouvoir les acheter. Hein. Là, sur une. Sur un reparti, je pourrais 100% les acheter, quoi. C'est dommage. 14 quand même, hein. 400. C'est le gantelet du néant. Mon arme. Ah non, c'est moi hein, qui me heal comme ça. Attendez, me dites pas, c'est ma paire que j'ai changée. C'est mon esquive. Je sais pas, c'est pas mon esquive. Du coup, j'ai cru qu'on me healait. Du coup, je suis morte à cause de ça parce que j'ai cru qu'on me healait. Bon, je sais pas, en tout cas, je me fais beaucoup plus heal par mon perso qu'avant. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ou alors, c'est juste que je voyais pas que c'était vert avant. Ouais, c'est possible. C'est possible. Bon, je vais pas aller taper lui. Pas d'obligation de résultat, là. Ouais, c'est ça en fait, c'est mon sort qui se déclenche au bout de 6 coups qui touche. C'est ça. On s'y perd d'ailleurs. Viennent quand même, sinon c'est pas marrant. Allez, viens. Je vais reparler. On est à 8. Du coup, je me suis déstabilisée.
pour un île que je pensais venir d'ailleurs. Et j'étais en mode, c'est bizarre, je vois pas le mec. Et en fait, non, c'était moi. Tout va bien. C'est juste qu'on le voit pas vert d'habitude. C'est juste ça. Par contre, vous pouvez looter, hein. N'hésitez pas. C'est pas dégueu, en vrai. Plutôt faire. Du coup, il va nous falloir les gantelets de mort. Je vais le fermer là-haut. Que j'aime ce gantelet. Est-ce que j'ai encore mon truc là où je peux... Là j'ai pas encore... j'ai pas mon truc de dash. Mais 20 secondes. Je dois avoir un moment ou un autre. Ah c'est le 15, 14, 13. C'est lui, c'est sûr. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Pas trop il hein. Pas foufou. Enfin, y a un vrai... vrai feeling pour rester bien en vie et tout là. On est sur quelque chose d'intéressant. Je maintiens. C'est ce que j'aimais avec la hachette et... Là ça me rappelle quand je suis allée dans cette grotte et qu'elle était complètement... Alors, c'est embêtant. Quelque peu. Ça passe. Ah, j'en ai attiré un autre par contre. Oh, j'ai attiré le gros. Oh. Merde, c'est chiant le haltable là que ça fait. C'est insupportable. Ça m'a haltable, j'ai encore failli ban quelqu'un. C'est affreux. On est à côté, hein, on peut en profiter. C'est vrai que j'aurais fait plus gaffe si on n'était pas à 3 mètres de là. On en chope encore deux. Il me semble qu'il y en a deux déjà dans ce qu'on a clean. Et on sera bon. Mon respawn qui arrivait pile au moment où j'étais en train de faire mon truc. Pas de bol. Du coup, à cette caverne, je suis déjà allée que c'était tout noir dedans. Ah bah super. Donc là il va réapparaître, c'est ça? Non, ok. C'est chiant, ok, merci.
Ok, on a les 14. Donc gants en cuir épais. Écoutez... Ah oui, mais non! Vous savez que j'ai pas accès au comptoir, il va falloir qu'on voit comment ça fonctionne. Il faut que je fasse les quêtes pour accéder au comptoir. Oh my god. No joke, il faut que je fasse les quêtes pour accéder au comptoir. J'ai oublié ce détail. Parce que maintenant, en fait, ils ont corrigé un truc que je trouve très très bien. Ils ont fait en sorte que pour pouvoir avoir accès au comptoir, il faut qu'ils aient fait une suite de quêtes, de présentation de la colonie. Ça fait qu'en fait, les gens qui veulent exploiter les golds, ils peuvent moins le faire, en fait. C'est ça l'idée, normalement. Si je me comprends. Tac. Donc c'est une bonne chose, mais... Du coup... Parce que là, je vais pas avoir accès. Là, si je vais au comptoir, il me dit... Bah non, déverrouillé en terminant des quêtes dans la colonie. Mmh. Donc, il faut que j'aille finir ça, je crois. Je crois bien qu'il faut que j'aille faire ça. On va s'occuper de ça. Let's go. Ouais, c'est à 20h, Lévis. Mais reviens vite, hein. Tu manques déjà. Je vais mettre toutes les ressources de la ville à votre disposition. Ah ouais, tu sais, ça va être soit la suite de ce que j'ai déjà fait, soit une nouvelle partie. Ça dépend, en fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, on a 20h à 23h pour y jouer. Et du coup, on va le faire parce qu'en fait, bah, il est déjà 18h30 et... Écoute. On est plus à ça après. Je dis pas que je vais être très fraîche, mais... Let's go! S'il faut refaire, je refais, ça me dérange pas. Par contre, je devrais refaire avec une autre classe, je pense. J'aurais du mal, mais... je l'aime trop, mon prophète. J'espère vraiment, en fait, que j'aurai encore mon prophète. Vous allez devoir sortir de la colonie pour récupérer... Ok, j'ai plus besoin de ces quêtes-là, normalement. Alors. Nous avons fini nos quêtes. Un petit peu pas ouf. Et nous avons maintenant accès au comptoir, on est d'accord. Ah oui! Gants en cuir épais. C'est long. Cuir épais. On n'en a pas. Il n'y en a pas, les gens. Il y a absolument pas de gants en cuir épais. But. Nous sommes 180 dans tous les métiers. Donc on va pouvoir les fabriquer. En toute logique. Faut qu'on aille voir ça. Faut se donner hein, pour faire cette quête. Hein. Bon, allez voir ça. Je sais pas si c'est là qu'on les fait. On va vérifier. Je pense que c'est jouable. On espère. En cuir épais, ils sont là. Il nous faut 4 cuir épais, 4 lins, 1 lingot de fer. Facile. Ça, je pense que je les ai, les cuir épais. Et là, on expérimente totalement le nouveau système. Oh là, pardon, j'ai fait un clic droit. Nouveau système de comptoir. Je fais des clics droits, il se met des petites PLS tout seul, il sort le poignet. Regardez. Et qui fait que j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je sais directement. Je vois pourquoi ils ont tout quand même sectionné les autres du coup. S'il y a du cuir épais. Ah, dis-moi qu'il y en a quand même. Il y a pas de cuir épais. Attends, mais dis-moi qu'il y a au moins du cuir corroyé. Ah, quand même. What a life. Faut pas les 4 pour le poste d'équipement. Tu crois qu'il y en aura pas? Moi, je pense qu'il y a moyen quand même. S'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, mais... Ah, mais ça, c'était pour... Ok. Attends, je vais regarder comment on fait le QRP. Je vais regarder.
On va bien voir. Parce que quand les gens ont capturé toutes les villes, ils ont peut-être fait quelque chose quand même avec. J'espère. Cure épais. Un peu la peau épaisse, ok. Donc 32 peaux épaisses. On va voir, on va voir. Mais du coup, il va falloir les looter en fait. Chose que je ne looterai pas. À moins que j'ouvre des box et que ça marche. Il y a moyen. On va faire la legit et on verra. Oh, il n'y a pas de peau épaisse. Donc faut que j'aille faire de la peau épaisse. Les gens font pas d'efforts, hein. Mais est-ce que je looterais pas juste une box du coup? Normalement, il fallait faire de la peau épaisse, nanana. Mais je pense que je peux looter de l'armure. Bon, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Faut que je vois. Faut que je vois. Soldier, ranger. Le ranger, y'a moyen, non? Ok. Ça. Ça, c'est pas un cuir épais? Dans le cuir épais, hein. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ça aurait pu, hein. Ça aurait grave pu. Ça aurait été fou. Du coup, on va voir si c'est faisable ou pas. Parce qu'en fait, si on fait tout ça pour rien... Je vais aller vérifier pour... quel niveau il faut. Pour le truc de tisserand, là. Et peut-être que ça sonnera à la fin de notre aventure. Qui est d'acheter des gants en cuir épais. Ce qui est assez logique en fait, cette histoire de cuir épais, hein. Ouais, ouais. De gants cuir épais, c'est les gants pour crafter le truc final, on y est, hein. Poste d'équipement palier 3, si, c'est bon. Ça, on aura. Poste d'équipement palier 3. Palier 2. 2, il y a personne qui a avancé ces postes d'équipement. On peut pas les avancer, c'est ça? S'il n'y en a aucun qui est modifié, c'est qu'on peut pas les avancer. Palier 2. Je crois qu'on est coincé. On est coincé, il faut les looter. C'est stupide. C'est stupide. C'est un poco stupide. On est coincé par le poste d'équipement. Toi, fabriquer ou acheter. Ça veut dire qu'ils doivent pas avoir le droit d'augmenter leur poste. Je vois que ça. Mais ça, à looter... Est-ce qu'il y a pas moyen de décraft ou un truc comme ça? Je crois qu'on va être coincé là. Pour de vrai. Ah, c'est palier 4 là. Jamais de la vie on n'aura pas les 4. Donc c'est soit on les chope, soit c'est mort. Donc. Je sens que ça va sonner le glas de notre aventure. Ils auraient dû mettre les postes de craft en T5. Ouais, pour le test, ouais, ça aurait pu être sympa quand même. J'ai réussi quand même partout, hein, mais... Non mais ça se voit en fait, ils sont coincés. Un petit peu dommage ça, parce que du coup je peux pas finir. Mais bon, on a vu le début, on y est en fait, c'est au moment du craft. C'est juste qu'on peut pas le tester.
Mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Oups. Oh, mais je vais y arriver. C'est le T4. Enfin, limite, juste réussir à en dropper, quoi. Sauf que les gens vont pas assez se donner pour que ça droppe, c'est certain. Je vais checker quand même s'il n'y a pas un endroit où les looter, en particulier. Parfois, il y a des trucs comme ça. New World Database. Gant en cuir épais. Dérivé de forge T4. Non. Ils disent looter ou machin, nanana. Attends, c'est bien écrit que c'est la forge. C'est ça qui est bizarre. Ah, je pense pas avoir possibilité de faire mieux. Après là, c'est vraiment farmé pour essayer de les avoir. Donc là... compliqué. J'ai réfléchi, mais... il faut forcément looter du T4. En plus, on loot du T... Écoutez, 5. Oublié. Faudrait qu'il y ait des gants en récompense d'une quête. Je regarde au cas où. C'est cela. Bah non, c'est du craft. Hein. C'est du craft. C'est marrant qu'ils disent looter ou machin ou machin. Mais là, du coup, on est limité par les ateliers. Du coup, malheureusement. Mais écoutez, ça s'arrête ici. Hein. Trouver. Fabriquer ou acheter. Trouver. Vous voulez pas qu'on soit spoilé de l'arme légendaire, à la rigueur. Ça se comprend. Mais en tout cas, c'est... on y est presque. Hein. C'est certain. C'est certain, c'est certain. Bah écoutez, c'était nice. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour la découverte du PTR. On va aller sur ma partie normale. En fait, j'ai envie d'essayer de les choper, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse en choper autrement. Parce que c'est gants en cuir épais. Y a pas d'auto. Genre, c'est le truc vraiment basique de chez basique. Donc je pense pas que je puisse en choper. Genre, y a les trucs que j'ai obtenus là. Qui ont disparu d'ailleurs. Dans la quête. Ce sera jamais cuir épais parce que c'est le truc du dualisme, machin. Donc non, non. Mais écoutez, du coup, à découvrir le jour J. En tout cas, c'était trop bien. Franchement, grosse session. Ça fera une grosse rediff. Mais je suis très contente d'avoir fait ça. On a pu bien tout découvrir de ce qui va arriver, du coup, prochainement. Et ça fait plaisir. Il faudra qu'on finisse cette quête. De toute façon, j'aurai cette arme quand elle sortira. C'est certain.